Fantôme 509 yo prend la rue, bilan, en pile balle pété, deux policiers fait voile pour pays sans chapeau, ak yon lot blessé. Bagay yo compliqué dans l'institution la police, en pile parole parler, en pile moun indexé. Jimmy Cherizier alias Barbecue International. Oh yeah baby. Yon gros production télévisée dans pays États-Unis débarqué sous sol lan vin faire un documentaire avec chef G9 lan qui pas de cacher frustration sous système qui gagne en Haïti. En pile haïtien dans zone Wanamet surtout si la yo qui a fait aller vini dans marché frontalier dominicain fait gros mouvement protestation contre autorité dominicaine yo qui a forcé yo prendre vaccin COVID-19. Eh bien, c'est réel tout pas bon côté haïtien qui vivent dans Chili pour problème certificat yo paye, yo pas jamais ka joine yo dans mes autorités locales. Chaque jour en Haïti, nous constatons c'est plus problème sans solution. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur TAC 509. Tout haïtien connecté, c'est avec l'amour sans nul autre pareil pour me rejoindre nous encore jeudi dans l'émission Mon éditorial. M'pape Jean suspend remercier pour support pour l'avancement travail là parce que sans nous travail là pas ka réaliser nous c'est support, nous c'est bandeya, c'est nous pour partager vidéo, c'est nous pour commenter, c'est nous qui pour liker. Et attention nous, yo vaut plus que l'or. Ensemble, nous pral brasser l'idée sous différents points, nous sommes cités là. L'idée micro-présentation, c'est toujours même Yannick Lon, même voix, rien pas changé. Déjà, nous avons commencé avec une simple question. Ou même quand vous regardez la vidéo, vous pouvez toujours répondre dans les commentaires pour dire ce que vous pensez. Qui sa Fantôme 509 l'an représente pour vous? Chaque moun gen position par yo, chaque moun comprend action groupement ou regroupement armé sans qui le Fantôme 509 l'an yon façon. Si pour un pile moun, Fantôme 509 yo c'est un groupe rebelle dans la police an, parce que yon gen uniforme la police sou yo, yon gen matériel la police nan men yo pour la plupart, yon gen badge la police sou yo, yon c'est des policiers. Mais alors que pour d'autres mouns qui particulièrement partagent même l'idée avec, groupe Fantôme 509 l'an, li plus cadré avec un groupe terroriste qui instauré un climat de terreur, un climat de peur dans la population. Même j'en ai pas l'autre groupe bandit te ka fèl tout. Parce que jusqu'à date, nous pas konn ki mission yo. Au même titre que n'importe l'autre bandit qui dit prend la ria, il a vandalisé bien public. Au même titre que n'importe l'autre bandit qui dit prend la ria, il a fait affrontement avec la police, c'est ça nous constater qui a passé jeune aujourd'hui en dedans pays, qui a passé en dedans institution la police, qui a passé entre policiers et des soi-disant policiers qui n'ont Fantôme 509. Et tout carrément, l'action contraire avec mission institution qui se protège et servir, ou pas l'autre bagay qui ont rebelle, ou pas l'autre bagay que un comportement de bandit qui a instauré des ordres, qui a instauré et qui a changé l'ordre établi. Et c'est dans l'idée ça, pour nous faire la part des choses, qui fait, nous te choisi, nous te combattre pour nous mettre capé en syndicat, SPNH, après nous venir Sinapoua et tant d'autres. Si vraiment nous avons besoin de faire passer des revendications qui sont légales, qui sont légitimes, qui tout à fait décrit la réalité de vie, nous avons fait dans le respect de la loi avec l'institution. Nous n'avons pas besoin d'instaurer un chaos en dedans l'institution la police. Nous n'avons pas besoin d'instaurer un climat de peur sous béton parce que nous avons fait à travers syndicats nous gen là. Peu importe l'idéologie syndicat par rapport avec un groupe politique. Mais en dedans PNH, il y a des syndicats qui là pour répondre avec revendication policière, pas d'ab gen nécessité pour journée jodia, pour gagner encore pour un groupe qui est les Fantôme 509 qui vire tourner sous béton, qui peut-être à travers climat, à travers chaos, yo a instauré journée jodia en dedans la police dans les temps à venir qui pral rendre dysfonctionnel. Et c'est peut-être ça l'objectif.
Parce que nous pas comprendre pour un groupe policier virer tourner dans la rue zamamé ou occuper un espace ou terroriser moun et puis pour venir dire que c'est revendication. Qui revendication? Moi-même moi arrêté quoi que Phantom 509 yo, c'est une réponse politique à une institution qui a la base politisée. Bah m'expliquer. Combien fois nous tendez nomination un directeur général en dedans la police en respecté à la lettre ça article 22 novembre 94 qui porte création qui porte fonctionnement qui porte organisation institution la police mandé a article dit clairement que DG la police doit choisir parmi directeurs centraux ou bien commissaire divisionnaire yo et puis président de la république là bien pour nommer pour une période de 3 ans. Mais dans la pratique toujours la pratique politique lui toujours permet à ce que président républicain il choisit DG en fonction de conviction politique et engagement. Et situation ça a toujours mettez gros souvent mettez conflit en dedans institution et c'est pas sans raison nous toujours ka joindre des résultats qui déséquilibrés à chaque situation importante qui mande une réponse qui vraiment gain un point différent acteur différents secteurs différents monde qui dans état major la police dans là-dedans on toujours chaque opération menée chaque réponse qui baille réponse pas coordonnée parce que chaque monde a réglé en fait par chaque monde gon petit groupe moun y a satisfait intérêt personnel yo. Donc là journée jodi an Phantom 509 yo créé non moment côté ou état major la police c'est de ba SPNH. Aussitôt yo reconnaît syndicat SPNH yo kite en brèche qui l'ouvri et à partir de là li vinn ba accès avec regroupement illégal ça qui caché derrière un syndicat. Ah oui. Peut-être que mettez dans tête yo pral porter revendication passé syndicat peut-être li a la base pa ka bay rendement mais kounya yo même yo prend la rue yo pral porter revendication aller et pour elle comme ça faut qu'on comprenne responsabilité que moun nan syndicat yo gen nan sa ka passé a parce que pour moi l'on prend par exemple et inspecteur général der lundi qui li même te affirmé dans Phantom 509 li cautionné acte soi-disant acte des soi-disant policiers qui dans Phantom 509 fait leur été à libérer et des policiers qui étaient en garde à vue dans commissariat dans sous-commissariat il était cautionné li était cautionné ou pas toi elle était prend position pour dire que c'est pas bon yo pas supposé agir comme ça alors que bien des syndicats qui là pour porter revendication nous parce qu'il là pour faire des voix nous. Eh bien, faut que nous pas confondre revendication avec rébellion. Ou bien avec tout ça nous carrele banditisme, avec tout ça nous carrele des actes de terroristes. Parce que là, groupe Phantom 509 yo quitté cadre revendication derrière. Depuis les gen syndicat qui légalement formé dans la police, ou pas ka di mon gen revendication et sous béton ces armes là mon pral potel. Là où vient instaurer climat de peur, vient instaurer un climat de terreur, là gen l'autre revendication qui passe d'elle. Gen l'autre idéologie ou voulait faire passer des actions yo. C'est pas seulement une question de pas ka manger, c'est pas seulement une question d'insécurité, c'est pas seulement une question de ticket ou besoin augmenter, c'est pas seulement une question de changer la vie policière là. Et c'est pas sans raison tout. N'a pour ambassade américaine li sorti note pour qualifier et comportement moun sa yo pour reler moun sa yo pour l'indexer comme un groupe et criminel et de pour parler de groupe criminel de organisation criminelle ou est-ce terroriste ça c'est en prémisse qui pour dire puis devant pral genrel puis devant bagay yo pral pitris et d'ailleurs gen en pile décision dans PNH qui prend ambassade américaine gen peur de responsabilité là-dedans tout parce que yo fait payroll. Yo nan fè payroll. Donc, conflit interne yo, non seulement yon bo, yon krasé institution, mais koun y a conflit politique vin pran place à travers Phantom 509 yo. Jounè jodi an la, moun yo gen l'impression moun yo pa comprendre j'ap krasé institution la police. Parce que là son énorme lié, le la police sorti yon note pour l'indexer post-mortem, policier en fin mouri, et puis sortant de là, yo sorti note pour yo dire que non seulement elle était fait partie Phantom 509, mais elle était à participer dans déchoukay dans Universal Motors, et puis, et le pire, c'est bandit Simon Pelé qui t'a touillé parce que yo était venu en renfort
pour protéger bien Reginald Boulos. C'est quoi l'histoire? Admettons que l'enquête faite lui révèle effectivement policier a fait partie et fantôme 509. Et que le tenant pillage était dans faire des choucailles dans maison Nissan. Mais il n'est plus à pas répondre de sa culpabilité. Et pareille déclaration, pas porté pas dans avantage institution. Il ne fait que salir davantage l'image en institution qui t'a supposé noble. Je ne j'en dis alors, l'opin son sorti note ça, c'est pour décrédibiliser Fantôme 509. Eh bien, c'est nous-mêmes encore qui campé en est capable pour gérer institution, pour gérer question sécurité dans le pays, pour gérer policier nous, qui fait nous arriver jusque là. Et version famille policière, elle vient changer toute donnée. Donc, niveau incompétence là, nous joignons, nous constatons là tous les niveaux de l'État. Et puis, ça arrête là. Et puis avant nous virer, nous parlons de l'état de droit. État de droit, ça, li nan rêve, c'est dans tête nous lié. Li pas sous béton, li pas dans la réalité. Image ça, pas faire l'autre bagay que crase institution. Et c'est de ça, nous, et c'est ça, nous cherché. Pour des raisons politiques, parce que nous considérons. Un premier grand affrontement fait entre Fantôme 509 et la police, on a juste soit mouri. Policier a perdu la ville, quelques arrestations faites, et puis ou pas chambre dans des suivis qui fait après ça. Suivi qui fait tu qui t'a soi-disant fait entre guillemets, c'est des propagandes politiques. C'est des propagandes politiques, nous disons tel a financé, tel a financé. Nous relayons et puis après nous pas jamais entendre rien. C'était simplement des shows médiatiques qui t'a servi pour attirer la population qui était là comme des appâts pour allier peut-être des gens avec cause non parce que pile le monde pas supporté question Fantôme 509 là. Même j'ai un groupe dans population qui sympathise avec eux, ça c'est clair. Ça c'est clair côté gen chaîne pas gen coup. Après arrestation fin fait tout temps de DG Léon Charles, li prend li monter en conférence de presse, li monter créneau, li dit que Fantôme 509 pas existé encore. Mais journée aujourd'hui, qui ça a fait dans la rue? Qui ça a fait dans la rue? Si journée aujourd'hui yo sous béton, c'est parce que travail la pas fait. C'est parce que quelque part on faille dans action nous avec déclaration nous. Le nous pas assurer nous que travail la fait, pas vinn prendre micro, pas vinn prendre la presse pour nous vinn faire propagande pour moun, pour nous vinn satisfaire intérêt moun. Et deuxième affrontement, deux policiers perdu la vie, l'autre moun blessé. Est-ce que nous pas gêné, nous pas honte journée jodi an pour nous même encore pour nous prendre voix de la presse? Pour nous venir faire conférence de presse pour nous dire que Fantôme 509 est dans la rue, n'a pas sorti notre de presse, Fantôme 509 est dans pillage, Fantôme 509 est dans siote dans ça. Avec qui figure? Groupe Fantôme 509 l'an journée jodi an, c'est un véritable problème parce que policiers en fonction là-dedans, évadé prison là-dedans, bandit là-dedans, ancien policier là-dedans, donc son poisson crasé dans bouillon. Alors que nous voulons faire comprendre la revendiquer, qui ça la revendiquer? Même dans le pire des cas, le fait que Walio avec des mouns qui pas ta doué zanmi ou qui ta doué ennemi, parce que y a terrorisé population, c'est des ennemis de la population, parce que gon mission dans cette institution. De pour rentrer dans l'institution, c'est ou pas nan kole serre ak bandi. Ou gon mission précis qui se protéger vie moun ak bien moun. Donc si vagabond sa yo, si gen des vagabond qui a terrorisé population, pas capable yo. Ou pas capable yo. Aide pour rentrer en bas avant tu sais même avec ou rend nous coupable tout. Je dis en là nous gon opinion publique qui favorable avec action Fantôme 509 grand pile moun moi sympathiser avec le j'me te dire. Parce que chaque réplique autorité l'état au bayo, ça vient prouver population c'est des si facile, c'est des si babat qui très facile que autorité l'état a cherché que la police visait. Alors que dans cadre travail là, yo pas jamais choisi à souterrain à combattre vrai bandit. C'est ça moun yo pense, c'est ça moun yo mette dans tête yo. Alors que c'est pas ça lié. Alors que li pas ta supposé comme ça, tout moun qui rentre dans logique pour porter zam illégalement, pour instaurer un climat de peur, un climat de terreur en dedans pays, ou c'est des si en tout cas. Moi même pour en pleur moi. Nous quitter groupe Fantôme 509 ça yo apprend là. Mien impression c'est le PNH pas ta existé encore. Ça va suspendre. Et Nadim te dit nous ça. Nadim te dit nous ça. Ya. Yeah. Parce que à chaque sortie, yo fait des gars. À chaque sortie, yo moun mouri. Et puis, ou pral tende, pral gen point de presse qui pral bay, pral di yo gen situation sous contrôle. Alors que pas gen rien qui sous contrôle. Pas gen rien à contrôler en dedans pays ça. Et puis, devant nous pral comprendre pour qui. Gen quelques situations trouvées ou pral vin comprendre que c'est pas tout moun qui veut sortir la dedans.
Et même dans le mal, gen moun ki ont bien la dedans pour yo tirer un quelconque avantage, pour yo tirer profit par yo. Et la preuve en est bien grande. Pendant en Haïti là nous est Jimmy Cherizien les barbecue tel qu'il est, l'homme qu'il est, un chef de gang qui allait avec l'autre bandit pour terroriser population qui c'est lycée chef G9. Eh bien, gon gros chaîne de production aux États-Unis qui est les Vice News qui internationalisait monsieur. Et au bal accès à raconter l'histoire li pour raconter qui ça le compte de système là et me rend moins compte que barbecue qu'on a pile de système là vraiment. C'est système là qui crée barbecue et barbecue tout mettel au service du système. Barbecue tombé dans ça lié la journée jeudi à là. C'est parce que c'est résultat système politicien corrompu. Son système politique qui sanguinaire qui a détruit en jeunesse, son système politique qui a cherché à lier des mouns avec Kozioa et ceci de la mauvaise manière. À force que Kounia vient tellement parfaitement intégré dans le système, il vient retrouver au service de Mounsaro qui a profité de lui, quand elle a fait tout le bourgeois, elle a fait tout le politicien, alors qu'ils n'ont rien à foutre de lui. C'est un système, c'est comme ça bagaille là. Yo prend, yo faut faire job, et puis yo pas respecte, yo pas respecte la vie, ou la vous pas compter, rien pas compter pour yo. À ce stade des débats en Haïti là, dans moment ça. Est-ce que c'est image ça nous besoin pour pays? Est-ce que c'est renfort ça on a cherché pas bon côté les pays entre guillemets amis d'Haïti? Puisque c'est même États-Unis ça qui t'est campé pour l'indexer barbecue dans massacre la Saline. Avec plusieurs autres et autorités, plusieurs autres alliés pour voir en place. Et voilà maintenant, yo offri la possibilité pour le vendre tête li dans le social. Comme moun qui a travaillé pour changement en dedans pays. Donc là, nous gagnons un barbecue qui sorti de chef de gang redouté à leader social. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage que nous arrivions dans point ça, c'est dommage. Pour nous arriver dans l'extrême ça, à côté que l'image pays d'Haïti lui représente à travers leader au groupe gang qui est les G9 familles alliés. Pour qui ça, production internationale ça, ou qui ça, production américaine ça, ou pas jamais tendé yon aller dans zone Afrique là pour yon aller faire documentaire sous chef et Al-Shabaab yo. Ou pas jamais tendé yo al fait documentaire sous chef groupe état islamique yo parce que non terrain ça pas easy pour yo moun sa yo gen moun ka fait propagande pour yo mais en Haïti c'est facile la voie est libre accès est facile en tout cas bon c'est dommage que nous pas ka vidéo là parce que li gen restriction sous li nous pas ka poster mais c'est sûr que si ou même ou besoin regarder ça ka passer en dedans pays comment barbecue et comment barbecue présente Haïti comment le représente nation hein? Ou ka toujours monter sur site Vice News ou bien sur page et puis là ça on ka garder vidéo on pour en pile parole parler en pile bagaille Haïti en quelque sorte barbecue dit vrai il dit vrai ça dit c'est vérité oui mais c'est pas pour autant là pour me venir déresponsabiliser de zak li impliqué là-dedans lui. Non, ça c'est jamais, on n'a aucune manière, parce que chaque groupe armé qui gagne un pays, il est toujours déresponsabilisé au profit de l'État. Il est déresponsabilisé, il est douce l'État, il est douce bourgeois, il est douce opposition, qui l'a comme on cap approvisionné, comme on cap deal avec eux. C'est vrai. Mais yo même qui responsabilité au gagne dans fait kidnapping, yo. Qui responsabilité au gagne dans assassinat, yo. Dans toute malversation qu'a fait qui impliqué, qui gagne non là dedans là. Est-ce que c'est encore l'État ou bien c'est un choix de vie lié? Non. Là, m'pense, faut que yo clair, là, m'pense, faut que yo en mesure pour répondre question ça en tout. Si l'on choisit pour un zam ou tuer un moun, c'est l'état qui fait, là, bah, l'état pour t'échapper là. Mais si c'est ou même qui fait, qui appuie sur des têtes là, là, c'est ou même capable. Là, c'est ou même capable. Et ou gen responsabilité ou, même j'ai tout l'autre monde qui participe yo. De A avec, de A arriver jusqu'à Z. Là, nous clair, c'est ça. En nous avance. Et pendant, ou comment ça a privé là dans le pays? Pendant la focus sur l'actualité qui a fait débat, sur l'actualité politique, sur bandits, sur phénomène insécurité, sur fantôme 69, eh bien là, sous frontière, on a maintenant.
Autorité dominicaine yo lagué dans ses exigences à haïtiens pour yo vacciner si yo voulez rentrer dans marché a pour yo al vendre pour yo al acheter. Alors que dominicain qui la caillou yo pas voulez prendre vaccin. Yo retisa en l'idée pour yo vacciner pour yo prendre un vaccin pour coronavirus sans pour COVID-19. Mou comprendre que c'est des mesures sanitaires. Mais qui certitude qui gen jounen jodi an sou injection ça nous décider pour nous vinn bay population. Nous pas connaît. Nous pas connaît parce que pas rien dit. Mais si vous voulez vacciner population haïtienne, nous affaire suivre une coopération bilatérale entre deux pays yo. Et puis ça va, mais question pour exiger moun yo pour prendre vaccin pendant que yo pas connaît ni pied ni tête vaccin, li pas jamais possible. Li pas possible. Ça, c'est des problèmes diplomatiques qui nécessitent des réponses diplomatiques entre deux pays. Et donc là, c'est on alerte nous profiter lancer avec autorité et concernée pour aller connaître qui ça va passer réellement sous frontière là. Ou pas qu'à exposer vie population, ou pas qu'à exposer vie citoyen comme ça. C'est pas seulement chita sous bloc glace dans le ministère de santé publique ou bien chita sous bloc glace dans le ministère affaires étrangères. Faut que nous lever pied nous aller connaître ça va passer sous terrain. Vie moun yo en danger, ça pas concerné nous, ça pas garder nous. Et c'est le même jour jodi an pour un pile haïtien qui vivent dans le pays Chili, qui a fait face avec un problème administratif, côté que yo besoin un certificat bonne vie et mœurs, yo paye jusqu'à date, l'État haïtien pas ka bayo, l'État haïtien pas ka founi yo service. Journée jodi an là nous comprenons c'est pas seulement des CPJ qui gon lenteur là-dedans, c'est toute institution l'État qui gon lenteur dans travail dans responsabilité à prendre envers nation, envers population. Nous sommes à l'ère de la technologie. Pour question casier judiciaire fait sous papier toujours. C'est pas possible. Pour jouer nos certificats bonne vie et mœurs dans moment ça dans pays hein. La prenne n'importe 6 mois, ou met voye fel n'importe l'or fel, la prenne n'importe 6 mois. Et ceci, le ou pral baoul, gede moun sa kon rive, yo ba yo certificat, et puis on semaine après tande li expire, on semaine après tande li pas valable. Si te gen innovation que t'as fait vraiment de dans la police, en de dans l'institution, l'État yo, yo te ka mette kopé des systèmes biométriques, par exemple, dans des CPJ, qui t'a pral permettre que tout donne, tout moun ni classe, tout donne yo classifié, et puis, l'on moun nan besoin, service là, li paye pour ça, et puis, ou transfère nan consulat ou bien nan ambassade là, qui t'a là pour transférer moun nan, pour délivrer moun nan certificat, c'est que l'on pas besoin perdre du temps. Gen un pile travail de restructuration qui doit faire dans l'État, parce que, j'en dis là, pas grand yon kap marche, pas grand yon kap marche. Dirigeant ou préférer régler l'autre bagaille, dirigeant ou a passé temps ou a gaspillé l'argent dans faire propagande dans faire diversion alors que institution yo vulnérable institution yo vide tout uni. C'est le désordre total. Et j'aime toujours aimer dire tout moun ça nous qui dans cette institution yo a passé. Tout yo a passé, yo pas venir pour être, institution yo a toujours été. C'est nous mêmes qui pour en mesure pour nous offrir population minimum si vraiment nous voulons espérer 2 millions dans pays ça. Parce que là on a parlé de Haïti sous chemin développement, Haïti is open for business. Donc qui ça? Qui modèle business, qui modèle développement? Bawel, non franchement bawel. Si c'est dans créer buzz pour faire diversion nous top. Si c'est dans faire propagande nous top. Mais non répond à l'obligation nous gagner envers la population, c'est zéro barré, Et comme résultat, nous toujours fait face avec des crises endémiques et finalement, grande majorité de population, yo adhéré à la misère avec insécurité. Parce que c'est ça nous toujours barré, c'est ça nous toujours offrir, c'est ça nous habitué, c'est train de vie. Yo. Chaque gouvernement qui monte dans le pays, ça a lié à apprendre à haïtien. Comment pour tirer profit de l'instinct de survie qui n'en voit. Par contre si nous comprenons ça m'a dit par contre si nous ouais ça m'a dit parce que en pile monde journée aujourd'hui qui a vivre là nous ouais qui a fait effort chaque jour pour lever pour prendre la rue pas on vit vraiment moun nan simplement utiliser ça rien dans lui comme ressource pour au moins pour le mettre tête pour le mettre tête dehors pour le chercher changer situation li là dedans là mais kounya est-ce que c'est positivement ou bien c'est négativement moun nan choisi utiliser ça le gain dans comme instinct de survie pour avancer. En pile haïtien bay vague, en pile haïtien baisser les bras, il y a tant de ça changer, il y a tant au moins dans libérateur pour yo. Et pourtant, c'est où que changement, c'est où que libérateur. Sous penser, son monde qui va de l'autre côté sorti,
Dans Zildik, bien loin que Palvin Dou, voilà madame, voilà monsieur, mais qui ça m'a fait en Haïti, mais qui change ma pote, non. On a toujours joué des politiciens corrompus, qui a détourné plein développement. On a toujours joué des corrompus sanguinaires, des politiciens sanguinaires, qui prennent détourner l'argent pour développement pays, là. C'est ou même qui pour caper pour prendre responsabilité, pour compte qui sauve vraiment pour pays, hein, et pour make sure, pour assurer que le plan de, l'argent pour développement en vini, le plan de développement sous table là, pour yon exécuter à la lettre by population. On nous commence par utiliser instinct survie qui nan noir pour nous vivre réellement. Pour nous vivre tout bon, pour nous exiger bon condition la vie, parce que la vie, pas gen prix sous li. Entre guillemets, sauf le kidnapper. Et tout ça, c'est l'état que la cause. J'ai beaucoup parlé, mais il reste beaucoup à dire. Et nous pas fini. Nous pas fini et nous pas campé là. Je quitte le reste débat, reste dialogue là pour demain. Je retourne. Moment arrivé pour mettre en bout dans l'émission pour jeudi. C'était un grand plaisir pour me accompagner. Merci à vous parce que. Ou prêtez ma attention, ou restez connecté, m'konon pral partager vidéo, pral quitter un like ou pral quitter un commentaire. Continuez à encourager travail là, partager vidéo, continuez supporter m nan façon capable. Pas oublier rendez-vous à les casser pour demain dans même l'heure pour l'autre sortie de mon éditorial. Restez connecté sur Tax 609 pour cette programmation. M'ap di tout moun merci. À bientôt.